Bonjour les machines. Bon, vous l'aurez compris, j'ai abandonné ma dernière course. Donc je vais vous expliquer en quelques secondes qu'est-ce qui s'est passé. Tout d'abord, on va replacer le contexte. Donc c'était jeudi et le dimanche, il y a la course organisée par mon club que j'ai en tête. Donc ce qui fait que j'étais pas très motivé pour jeudi, mais j'y suis quand même allé. Donc cette fois-ci, c'était un départ groupé avec les catégories au-dessus. Et apparemment, il y avait vraiment pas mal de niveaux. D'ailleurs, ils ont fini à 43 de moyenne ou un petit peu moins, je sais pas trop. Au début de la course, j'étais plutôt bien placé, mais j'ai vite reculé, j'arrivais pas à garder ma position, j'étais pas super à l'aise dans ce peloton, ce qui fait que j'ai commencé à traîner à l'arrière du peloton et j'ai subi toutes les relances à chaque fois. Donc je faisais l'accordéon et au bout d'un moment, j'ai eu un poids de côté. Ça m'est déjà arrivé en course, mais vu qu'en général, il y a toujours un petit moment de flottement où il y a moyen de récupérer, ça passait. Mais là, vu que c'était un critérium, c'était très rythmé, donc impossible de le faire passer. Et j'ai dû abandonner. Avec tous ces abandons, je commence à songer à me mettre à la pétanque. Donc c'est mon premier abandon pour défaillance physique. Mais là, je pouvais vraiment rien faire. De toute façon, les jambes n'étaient pas super. Donc c'est pas grave, au moins je me suis pas cramé pour la course de demain. Bon allez, je vais vous présenter le parcours et on se retrouve sur la ligne de départ. Donc c'est un parcours de 7,3 km avec 78 mètres de dénivelé positif. Donc ça commence à être pas mal. Le parcours commence par une petite descente. Ensuite, on a un long faux plat montant. Ensuite, on tourne à droite, on arrive sur une route étroite, donc là on commencera à avoir vent de côté, toujours en faux plat montant. Ensuite, une petite descente pour arriver sur une petite bosse de 400 mètres juste avant le village. Ensuite, c'est tout droit jusqu'à l'arrivée, mais il faudra faire attention parce que c'est vent de face et la route se redresse juste un peu avant l'arrivée. C'est sous une chaleur écrasante que le départ est donné. Avant de rentrer un peu plus dans les détails de cette course, je vais faire une petite pub pour un copain youtubeur. Je suis quasiment sûr que la majorité d'entre vous le connaissent déjà. C'est Quentin Aircycling. J'invite tous ceux qui ne le connaissent pas à aller voir sa chaîne, car il filme également ses courses, il fait des super vidéos. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner pour l'aider à atteindre les 10 000 abonnés. Une prochaine fois, je vous parlerai d'Alexandre. Enfin, du moins, s'il nous laisse quelques petits commentaires. Ok, Alex. Allez, on revient à notre course. Donc, on est au kilomètre 1 et les premières attaques. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Vous y allez ou vous restez tranquille? Pour ma part, je décide de rester en observation pour l'instant. Je vais essayer de voir s'il y a un gars de mon club qui veut y aller ou pas. Et si jamais personne ne bouge, j'essaierai de faire le jump. Ah bah c'est bon, il y a deux gars de mon équipe qui y vont, donc je vais rester tranquille. Malheureusement pour les premiers attaquants, ça n'ira pas bien loin. Allez, virage à droite et on arrive sur la route très étroite comme je vous ai dit. Je suis très mal placé, ce qui fait que je suis complètement bloqué. En plus, ça roule pas du tout. Faudra vraiment que je sois vigilant sur le deuxième tour histoire de mieux me placer que ça. Parce que là, s'il y avait une attaque, je pouvais même pas réagir ou je peux même pas attaquer moi-même. Là, c'est la petite bosse avant le village. Je paye pas de mine, mais vu qu'on doit passer 8 fois ici, je pense que ça va laisser des traces. C'est peut-être même l'endroit idéal pour attaquer. Mais bon, je vous en dis pas plus. Soyez patient, vous verrez par vous-même. Fin du premier tour. Donc, il y a une personne qui a réussi à s'échapper. On est toujours à sa poursuite à ce moment-là. Allez, deuxième passage sur la route étroite et comme prévu, je me suis un peu mieux placé, mais pas assez bien pour pouvoir tenter quelque chose. C'est vraiment délicat de se frayer un passage ici, voire impossible, donc va falloir patienter un petit peu encore. On se retrouve sur la longue ligne droite avant l'arrivée, le rythme est plutôt cool. Ce chaos. Ah ouais, mais non les gars, je vous avais prévenu, hein, c'est fini le vélo. Alors je vais me mettre à la pétanque, donc restez bien à l'écoute parce que je vais vous faire plein de tutos. D'ailleurs maintenant je vais vous appeler les snipers, tiens, ça peut être pas mal. Premier tuto, ce sera sur les carreaux. Allez, à plus.
Ciao.